À côté théâtral. Il y en a plus, là. Il y en a plus, en plus. Il y en a plus, là. Ah, Minouche. Et t'es-tu là quand ils ont fait les essais de la bombe H? Non, merci, non, non. Non, t'es arrivé juste après. Moi, j'ai quitté l'Arsenal en 73. Et tu nous le massères pour nous faire du truc. En 73, j'étais responsable du service transport en Jeanne Leval. C'est pour ça que je m'occupais à ce moment-là du... C'est dingue, un mec qui a eu tout. Mais t'étais pas un peu pistonné pour avoir fait tout ça? Entre 55 et 65... C'est dégueulasse, nous qui avons été chômeurs... 55-65, entre nos 12 ans et nos 55 ans... Maintenant, on commence à faire deux trucs... J'ai sorti de l'école technique en 66, moi. On va pas l'arrêter. Et après, j'ai fait le siège militaire, la coopération, on l'a fait. C'est le moment où... Sa femme est partie, elle dort, c'est moi qui le ramène. C'est un nouveau roi. C'est toujours comme ça, je suis le chauffeur. J'arrive tard parce que je dors avant. Qu'est-ce que je sais, voilà. Exactement. Je dors avant, en fait. Ouais. Parce que je sais que ça va arriver. Donc j'arrive à 11h, j'ai dormi tout seul. Des ballons, ouais, c'est ça. Qui ont servi à porter nos nucléaires de bombes. Ouais. Ouais. Non, tu qu'est-ce que pas. Tu cherches tout ça juste non. Ah, il a perdu un truc il y a quelques temps. Il est normal qu'il essaye de le retrouver. C'est plutôt mon domaine. Mais comme je te voyais. Là, tu me jettes. Je suis jaloux. Comme je voyais que tu n'étais pas au boulot, je me suis dit, je vais lui donner un petit coup de main. C'est gentil. La main, faire allusion au poupée gonflable. Vous connaissez l'histoire des trois mecs qui sortent tous les soirs et qui rentrent comme des queues de pelle tout le temps. Et il y a les trois bonnes femmes qui disent, c'est pas possible, ça ne peut pas durer. Donc il y en a une qui dit, il faut qu'on trouve une solution. Alors elle dit, moi j'ai une idée, on va acheter des poupées gonflables. Et on va les mettre dans notre plumard avant de partir au restaurant. C'est ce qu'elles font. Oui. Puis les mecs, ils rentrent comme d'habitude, cassés, complètement cassés, et ils ne se rendent même pas compte de rien. Et le lendemain, ils se retrouvent au boulot. Et il y en a un qui dit, bon Dieu, les gars, hier soir, la bonne femme, elle faisait la gueule. Hein. Pas un mot. Je suis dormi à côté d'elle, elle n'a même pas bougé. Puis le troisième, il dit, moi j'ai quand même fait l'amour. Mais elle n'a même pas bougé non plus. Ah ben il dit, troisième, c'est pas comme moi, les gars. J'ai fait l'amour comme une bête, tu vois. Puis j'ai mordu les fesses tout d'un coup et c'est barré par la fenêtre en sifflant.